Bonjour, bonjour et bienvenue donc pour ce nouveau vlog. Donc hier, j'ai pas su vous filmer grand-chose parce que j'ai un peu oublié. Hier, j'ai donc fait le montage de ma vidéo bilan du mois d'octobre et j'ai rien fait d'autre vraiment. Je vous ai montré le soir ce qu'on a regardé et et un peu aussi que j'avais continué ma lecture. Donc j'arrive au bout de la nouvelle qui se trouve après le premier tome. Et ensuite, je lirai autre chose et je vous montrerai ça. Alors, au programme de ces prochains jours, eh ben, ce sera de la lecture et des loisirs créatifs, du diamond painting et certainement peut-être du coloriage et peut-être d'autres choses. On verra bien. Je vous reprends plus tard dans ce vlog. Bonjour, bonjour, nous sommes donc le vendredi 10 novembre et je ne vous ai pas encore pris pour parler dans ce vlog. Donc voilà. Alors, je vous fais un petit point donc dans mes lectures. Donc pour l'instant, je lis donc Cozy Christmas Mystery, donc Retour à Saint Mary Hill, donc de Karine Pitocci, que j'aime beaucoup. Pour l'instant, bon, je ne suis pas encore hyper loin, je suis à la page 65, mais j'aime beaucoup pour l'instant. Je voulais également vous montrer donc encore un petit cadeau d'anniversaire, donc les petits rênes donc de la Sylvanian Family. Ça fait un moment que je voulais avoir ces petites figurines. Bon d'accord, c'est plus du tout de mon âge, mais voilà, je les trouve vraiment trop mignonnes. Et donc voilà pour l'instant. Alors mon programme du jour, il y aura à mon avis du diamond painting. Je vous filmerai un petit peu cet après-midi certaines choses et j'essaierai de vous reprendre donc peut-être aujourd'hui ou alors dans les jours suivants. Nous sommes le samedi 11 novembre. Hier, dans la boîte aux lettres, il y avait mon dernier cadeau d'anniversaire donc de la part de ma maman. Donc c'est donc le calendrier de l'Avent donc de chez Lien Illustration. Il y avait également ce petit joli marque-page, celui-ci, un petit autocollant, la carte de remerciement et donc une autre petite carte et donc le calendrier de l'Avent. Voilà, 24 enveloppes que j'ouvrirai à partir du 1er décembre.
Bonjour, bonjour. Donc, nous sommes le dimanche 12 novembre. Je voulais commencer donc cette journée par vous montrer donc le sous-vert que donc j'ai réalisé hier avec en diamond painting. Alors, il y a des défauts. Enfin, je trouve que par rapport aux petits autocollants précédents, ici les diamants glissent un peu sur la surface. Donc voilà, il y a des défauts, mais bon, c'est quand même, ça reste quand même assez joli. Hier, ma maman en a réalisé un aussi qui se trouve là, voilà. Et il en reste quelques-uns à faire. Je vais vous montrer vite fait. Donc, il y a celui-ci, le Père Noël, le sapin. Le bonhomme de neige, la couronne, le mignon petit renne et le bonhomme en pain d'épices. Donc voilà, je pense que je vais commencer par celui-là, ben, peut-être aujourd'hui ou demain. Je pense que ce matin, enfin, il y a quelques petites tâches ménagères à faire et aussi j'aimerais bien continuer ma lecture. J'en suis à la page 100, 101, je pense. Et voilà, j'aime toujours beaucoup. Et voilà, donc je vous reprends tout à l'heure. Bonsoir, je vous prends maintenant pour clôturer ce vlog. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé donc à tantôt, enfin j'étais en train de lire Noël en péril donc de Karen Pont. Malheureusement, je l'ai abandonné parce que je n'arrive pas à accrocher, donc voilà. Je vais commencer une nouvelle lecture ce soir, qui sera donc le deuxième tome donc des Détectives du Yorkshire. Et voilà, donc ce soir je vous montrerai aussi ce que je regarde et je recommence un vlog dès demain, donc le jeudi 16 novembre pour jusqu'au mercredi 22 novembre, je pense. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura tout de même plu et je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos.